Bonjour et bienvenue. This is David. This is David, votre prof de français de Frenchlearner.com. Your teacher from Frenchlearner.com. Today, we are going to learn in our second lesson comment on dit en français, how to say in French, I should. Donc, en français, pour dire I should, on dit je devrais. Uh, but the question is, la question, c'est, how to form je devrais, where does it come from? Alors, je devrais, comes from the verb devoir, must or to have to, in the conditional, dans le conditionnel. Donc, je devrais, I should, tu devrais, you should, We're Simply taking devoir and conjugating it in the conditional. Il, elle, devrait, he or she should. Nous devrions, we should. Vous devriez, you should. Vous, of course, is plural and formal. Il devrait, elle devrait, they should, which is confusing because it sounds the exact same as. He should, she should, il devrait, elle devrait. Alors maintenant, nous allons continuer et nous allons regarder quelques phrases. So, now we're going to continue and we're going to look at a few sentences. La première phrase I should go to bed a bit early. En français, je devrais me coucher un peu plus tôt. One more time, encore une fois avec moi. One more time with me. Je devrais me coucher un peu plus tôt. For this first sentence, we use the reflexive verb se coucher, which means to go to bed. So je me couche, literally, I to myself go to bed. However, in the non reflexive form, je couche le bébé means I put the baby to bed. Also note that Pluto, as two words means earlier, whereas Pluto, which sounds the exact same, uh, one word with no s means rather. So Pluto, earlier. Alors, on continue avec les phrases. We are going to continue avec les phrases. You should try to be more punctual. So this sentence is in the tu form. You to a friend. Tu devrais essayer d'être plus ponctuel. One more time, encore une fois avec moi. Tu devrais essayer d'être plus ponctuel. So, this example sentence uses the verb essayer, to try to, which is always followed by de plus infinitive. Par exemple, J'essaie de faire. I try to make or I try to do. So it's always j'essaie de plus verb. Alors, notre troisième phrase. We should study French before traveling to France. Nous devrions étudier le français avant de voyager en France. Encore une fois avec moi. Nous devrions. You Here you could do a liaison. Nous devrions étudier le français avant de voyager en France. So the question is why does français have le, the definite article, in front of it? The answer is because for languages, when we're referring to the name of a language, you need the le in front of it. So le français french in the context of the language the last question is why are we using nous and why are we not using on on in french also means we and many students believe that nous is outdated and not used in french and je ne suis pas du tout d'accord i don't agree at all en français on utilise quand même le mot nous tout le temps donc uh, C'est ça, c'était notre leçon pour aujourd'hui. That was our lesson for today. Alors, je vous remercie d'avoir suivi la leçon avec moi. DavidFrenchLearner.com. Je vous souhaite une excellente journée et à la prochaine!